Coucou! Dans cette émission, je vais t'expliquer comment éviter trois erreurs courantes et je t'enseigne comment adopter de bonnes pratiques pour progresser avec ton chien réactif. À tantôt! Eureka.
but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Bienvenue à cette émission aujourd'hui. Comme je t'ai dit et que tu l'as vu en intro, on va parler des trois erreurs à éviter avec ton chien réactif aujourd'hui. Alors, vous êtes déjà là en grand nombre, c'est extraordinaire. Fait que faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est excellent de ton côté, s'il te plaît, avant que je parte, puis que je parle, puis que j'en finisse plus. Fait que pendant ce temps-là, je vais te montrer mon beau petit Oreo. Qui attend patiemment sa petite récompense. Ouais, good! On me dit que le son est bon. Yes, excellent. Good! Allô, Sylvie! J'ai déjà des allos. Good! Alors, je me présente, Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de Eureka depuis 2015. On a souligné début mars nos deux ans d'émission sur le comportement canin qu'on offre gratuitement et ce de façon hebdomadaire toutes les semaines. J'ai beaucoup de nouvelles personnes aujourd'hui qui me découvrent, alors c'est fantastique, hein, la magie des réseaux sociaux. C'est vraiment génial, fait que je souhaite t'apporter du contenu encore très pertinent pour ton chien aujourd'hui. Je te remercie pour les personnes qui sont là et qui me suivent de semaine en semaine. C'est vraiment toujours plaisant de voir que tu reviens à l'écoute également. Si tu restes jusqu'à la toute fin, je vais te donner un cadeau gratuit. Donc, mon guide, je te donne ça gratuitement à la toute fin. Je vais t'expliquer aussi par la même occasion que contient ce guide extraordinaire. Si tu as besoin de mes services, si tu veux savoir comment je travaille, comment je fais pour aider, accompagner mes clients à obtenir la relation qu'ils souhaitent avec leur chien, eh bien, je t'invite à rester jusqu'à la toute fin ou à m'écrire en privé. À la fin, tu vas pouvoir écouter et voir des témoignages de mes clients. Également, je vais te dire comment réserver ton appel découverte à mon agenda avec moi pour qu'on puisse discuter de tes besoins ensemble. Donc, oh, on dirait que je suis figée dans mon écran seulement, peut-être, je sais pas, j'espère que dans ton écran à toi, je suis correcte. Fait que je vais peut-être quitter et revenir, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, voilà, je suis revenue dans mon écran, parce que je te suis en même temps avec mon téléphone cellulaire, parce que quand t'as des questions et tout ça, ben je lis ça sur mon téléphone. Donc, maintenant que je me suis présentée, je te laisse le soin de te présenter, j'adore ça. Parfait. J'aime ça savoir de quelle région tu m'écoutes. J'ai des gens de partout à travers la planète, c'est extraordinaire. Des fois, j'ai des gens de l'Europe, des États-Unis, partout au Canada, fait que c'est vraiment génial. Génial. J'ai pas eu personne dans les territoires du Nord-Ouest, Alaska jusqu'à date, fait que peut-être qu'à un moment donné, ça arrivera. Fait que bref, dis-moi de quelle région tu m'écoutes, quelle race de chien partage ta vie présentement et quel âge a ton chien? Avant qu'on entre dans le vif du sujet, allô Chantal! Fait que je t'invite à m'écrire ça en commentaire pendant que je vais prendre une petite gorgée d'eau. Sept-Îles, Beauport! Un coquelier? Good! Fait qu'allez-y! Écrivez-moi ça en commentaire. Berger australienne miniature de 8 mois. Excellent. Mirabelle, berger australien de 20 mois nommé Whisky. Good. Sherbrooke avec un labrador de 14 semaines. Oh, adorable. Un berger australien. Allô, Katia, qui était là aussi la semaine dernière. J'adore te suivre de Napkerville. Merci, Katia. Denis de la Rive-Sud. Excellent. Allô, Mélanie. Geneviève de Mont-Saint-Hilaire avec un berger australien de 7 mois. Excellent. Rive-Sud de Montréal avec un labrador croisé de 4 ans, Marley. C'est un beau nom, ça. Snoop, un berger australien de 4 ans, de presque 4 ans. Berger australien de 10 mois. Border collie de 6 ans. Allô, Denise.
Mercier, de la rive sud de Montréal. Jack, un Golden Retriever de 2 ans. Allô, Natacha! Avec qui? Opsilia. Monique, oui. Monique, près d'Ottawa, qui a 3 chiens, je pense. 1, 2, 3, oui, exact. Sylvie de Longueuil, good! Alors, oui, aujourd'hui, on va discuter des 3 erreurs à éviter avec ton chien réactif. Je t'invite également à m'écrire en commentaire toutes les questions que tu auras en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Je vais me garder 2 à 3 moments durant mon émission d'aujourd'hui pour répondre à tes questions. Si tu m'écoutes en rediffusion, eh bien, ça va me faire plaisir de répondre aux questions par écrit. Des fois aussi, j'en échappe. Des fois, là, ça défile. Fait que ça se peut que j'en échappe également. Voilà. Fait que quand c'est le cas, ben je réponds par écrit dès que j'ai un petit instant dans ma semaine. Puis sur YouTube, j'ai aussi des personnes qui me posent des questions à cet effet-là. Fait que aujourd'hui, on va voir, oui, les 3 erreurs à éviter avec ton chien réactif, mais également, tu sais comment j'aime et j'adore être proactive. Fait que je vais t'expliquer un peu c'est quoi un chien réactif. Je vais aussi discuter avec toi des choses que c'est bien de faire, d'être proactif. Comment tu peux être proactif? Fait que tu sais, oui, on va aller voir les erreurs, mais on va aussi parler des bonnes choses, OK? Avant toute chose, je veux te dire qu'aujourd'hui, on a terminé la 2e édition de notre guide d'entraînement et planificateur d'exercice qui est disponible sur notre site internet. Pour un certain temps, on le laisse au même prix que notre version 1. Okay? Donc, pour un certain temps seulement, tu vas avoir accès au prix de la version 1, mais possiblement très bientôt, le prix va changer. Donc, notre guide d'entraînement et planificateur d'exercice, je peux peut-être te le montrer. Je pense que je l'ai en image quelque part ici. Bon, alors ça, c'est notre version 1. C'est pas une image de version 2. Mais bref, dans notre version 2, on a ajouté du stock. Vraiment, vraiment très palpitant. Voilà, tu peux retrouver notre guide d'accompagnement et planificateur d'exercice. J'ai dit d'entraînement, mais bref, ça revient au même. Sur notre site internet, dans l'onglet boutique. OK? Super! Fait que là, en intro, je t'ai demandé de m'écrire en commentaire pourquoi t'écoutes mon émission aujourd'hui. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui fait que t'es avec moi aujourd'hui? Fait que je t'invite fortement à m'écrire en commentaire pourquoi tu m'écoutes aujourd'hui. Je te donne un exemple, ça peut être pour me dire « Annick, mon chien est réactif en laisse, je sais plus quoi faire, je m'arrache les cheveux de sa tête. » Je voulais dire, je me tire les cheveux. Ça aussi, ça serait cool, mais je m'arrache les cheveux de sa tête. Bref, il m'est arrivé plein d'anecdotes cette semaine. Je te partage ça vite parce que ça vaut quand même la peine. Dans le fond, on a rencontré un chat, moi et Oreo, cette semaine durant la marche. Ça a super bien été. Il l'a vu. J'ai fait une technique d'entraînement que j'enseigne à mes clients qui a super bien fonctionné. Il est revenu à moi, super à l'écoute. Puis après ça, on a travaillé à distance. Le fait qu'il regarde le chat sans réagir, puis là, j'étais super fière de lui. Je récompensais tout ça. Et dès qu'il est revenu plus calme, bien, on est reparti. On est reparti marcher. Fait que ça, c'était lundi. Hier, on était mardi. Hier, je décide qu'on change de trajet parce que ça m'arrive des fois de pas toujours suivre la même routine de marche. Fait que hier, je me dis, on va changer de routine, Annick. On va aller marcher ailleurs avec Oreo puis on va aller pratiquer à la clinique vétérinaire pendant ce temps-là. Fait que, sort de la clinique vétérinaire, arrive dans la rue, il y a un petit chat roux qui décide de voir et de regarder Oreo. Puis il a décidé qu'il l'aimait pas, Oreo. Fait que là, il avait le dos rond, poil hérissé, droite, la queue qui bombe de même. Bref, il était pas content. Fait que là, Oreo, il l'a regardé vraiment comme intensément. Puis il fait « Hey, qu'est-ce que t'as là? » Fait que là, moi, j'ai voulu prendre la distance. Erreur. Le petit chat, il a dit « Oh, petit chien, tu t'éloignes, je vais te chasser encore plus. » Alors le chat, là, il a décidé qu'il nous pourchassait comme un chien enragé. Mais un chat enragé. Fait que bref, Oreo a eu la peur de sa vie. Je l'ai jamais entendu crier de même. Sérieusement, là, puis le chat, il l'a même pas touché, là, il était comme à 10 pieds de nous autres, à peu près, tu sais. Fait que là, la madame rouvre la porte patio, appelle son chat, le chat, il avait un excellent rappel, fait que nous, on a continué à reculer avec Oreo, tu sais. Fait que bref, il n'y a rien d'arrivé de grave, mais je me disais, mais mon Dieu, le chat, il a vraiment eu peur, puis Oreo, là, ça a été comme la...
il était terrorisé par ce chat-là, alors que normalement, les chats, ils trippent puis ils veulent tout être ses amis. T'sais. Fait que donc, voilà mon anecdote du mardi qui a scrappé mon exercice du lundi. Fait que ça m'arrive, moi aussi, de vivre ça, des affaires de même. Mais bref, tout le monde s'en est sorti indemne, et le chat et le chien, à part beaucoup de crousses de la part de Réo. Mon Dieu, qu'il a eu peur. Pauvre petit coco. Bon, hey, fait que là, tu m'as écrit ça en commentaire. Réactif en laisse, à la fenêtre, visite à la maison, réagir envers les chiens pendant la marche, réactif quand on croise un chien, tire comme une folle quand on arrive chez les gens, veut rentrer dans leur maison, incapable de marcher avec Kéops ou juste c'est du coco. Si nous croisons un autre chien, il devient littéralement fou, il a même réussi à me faire tomber traîner. Mon chien jappe et pleure quand on croise un autre chien et que je ne m'arrête pas. Ah! Frustration! Mon chien est réactif lorsqu'il voit un chien, un humain, un écureuil, un chat, etc. à la fenêtre, à la marche, monte debout sur ses pattes arrière, jappe fort, poil hérissé sur son dos. À bout de patience, besoin de tes conseils. Fait que oui, je pense que t'es à la bonne place aujourd'hui, mais garde en tête que si t'as besoin de mon aide plus en privé, je vais t'expliquer à la toute fin. Tout ce qui est volatile, corneille, goéland. Oh my god, le petit Jules qui est devenu grand. Ça me rappelle des souvenirs avec Oreo. Mon chien ne veut pas marcher dans la rue. Dès qu'on réussit à faire quelques pas, s'arrête quand elle voit quelqu'un ou un chien et on doit attendre qu'il passe, mais reste assise. C'est quand même pas pire, sauf que il n'y a pas de continuité. Good, fait que tu peux continuer à m'écrire en commentaire pour quelles raisons tu m'écoutes aujourd'hui. Oh, j'en ai un autre. On le prend, celui-là, on le prend. Berger australien, 3 ans avec moi depuis un an. Rescue SPA pour morsure. Moins pire aujourd'hui. Veut snapper les inconnus qui veulent le flatter. Et avec les chiens, ne me jette plus par terre en croisant un chien, mais contact impossible, il veut juste les mordre. Oh là 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 là. OK. Réactif à la marche quand il voit un chien, réagit à la fenêtre. Influence Romy. Oh, Théo! Donc, je marche avec eux séparément. Parfait, good! Alors, oui, définitivement, ça va être une excellente émission aujourd'hui. D'ailleurs, ce que tu me dis, ça va m'aider dans le contenu que je vais t'offrir aujourd'hui. Fait que, voilà. Puis, pense que si tu as besoin de mon aide en privé ensuite, eh bien, ça va me faire plaisir de t'accompagner dans ce cheminement-là. OK? Allons-y. Puis tu te souviens, si tu as des questions, tu m'écris ça en commentaire. Ça va me faire plaisir de prendre un moment pour y répondre. Good. C'est le temps de partager. Je me trompe de main. Alors, qu'est-ce qu'un chien réactif? On a souvent tendance à se dire agressif. Oui, il est réactif, mais est-ce qu'on sait vraiment il est réactif à quoi notre chien? Fait que là, aujourd'hui, je trouvais ça pertinent de t'expliquer en long, pas en long, mais en large, OK? Ce qu'est un chien réactif. Fait que, dans le fond, là, un chien réactif, c'est qu'il a tendance à réagir de manière excessive ou inappropriée à certains stimuli, OK? Ça peut être les autres chiens, ça peut être les humains, ça peut être les bruits, ça peut être les objets, ça peut être des volatiles, comme Chantal nous le disait, d'autres animaux, etc. La réactivité, ben, elle peut se manifester de différentes façons. Fait que le chien peut aboyer, il peut grogner, il peut fuir, il peut mordre, il peut snapper, il peut claquer des dents, donc snapper dans le vide. Puis le chien réactif, ben, il n'est pas forcément agressif parce qu'il va démontrer des comportements comme ça ou méchants, okay, ce qu'on a tendance à penser, à véhiculer. Mais il a souvent besoin d'une éducation qui est appropriée à ce type de réactivité qu'il vit par le biais de renforcement positif, bien sûr, mais également lui apprendre à gérer ses émotions, à sentir en confiance dans plusieurs situations, à faire confiance à l'humain qui l'accompagne. Okay? On veut que l'humain devienne la personne la plus importante à ses yeux dans des cas comme ça. OK? C'est aussi possible de travailler avec un chien réactif, bien sûr, pour l'aider à surmonter cette réactivité-là, parce que le chien qui vit avec ça, autant l'humain, là, okay, le chien et l'humain, il n'y a pas de plaisir à produire un comportement comme ça. Okay? Ça va nécessiter, oui, un travail patient, oui, un travail progressif aussi, pas un travail patient, mais de la patience, plutôt que je veux dire,
et du travail progressif parce que notre objectif vraiment, c'est de modifier son émotion qui vit. Tu sais, puis c'est souvent associé à une émotion négative. Fait que les stimuli qui déclenchent la réactivité de ton chien, faut que ça devienne quelque chose qui va être agréable pour lui, donc il va devenir plus à l'aise, plus confiant dans différentes situations. OK? Fait qu'on va voir ensemble un peu comment amener ça, comment favoriser le travail qu'on souhaite avoir avec notre chien réactif. Puis bien sûr, oui, on va également parler des erreurs. Je te l'ai dit dans le titre, là, c'est quoi les trois erreurs qu'il faut éviter absolument. Je vais t'expliquer pourquoi tu as besoin de les éviter. Et on va être proactif. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier cette réactivité-là, OK? Il y a certaines personnes aujourd'hui qui m'écrivent et qui vivent avec un chien adolescent. Donc, quand notre chien arrive dans la période d'adolescence, il y a un changement hormonal, je parle à voix, qui survient. Okay? Notre chien commence à nous faire voir, si je peux dire ça comme ça. Son caractère, il commence à s'affirmer, les comportements qu'on voyait pas avant commencent à sortir. J'ai des gens qui me disent « Annick, pourtant je l'ai bien socialisé, peut-être des fois trop, on en est conscient, mais bref, la socialisation, oui, c'est important, mais on va en parler tantôt, c'est important, mais c'est important de bien le faire également. » Ok? Chien d'11 ans, bonne question, je vais revenir à Isabelle pendant la question, j'aime ça. Donc voilà pour le chien réactif. Qu'est-ce qu'un chien réactif? On y va avec les quelques trucs pour ton chien réactif. Comme je te disais tantôt, je voulais qu'on soit dans la proactivité, alors on y va à l'instant. Si t'as pas encore pris de papier et de crayon pour prendre des notes, c'est prouvé. Si t'écris pendant que je te parle, tu vas assimiler encore plus ce que je vais te véhiculer comme information. Sinon, tu peux prendre des captures d'écran pour reprendre des notes un petit peu plus tard pour aller inscrire ça dans notre guide d'accompagnement et notre planificateur d'exercice. C'est pas merveilleux? Alors, mon truc numéro uno, mon truc numéro un, c'est de travailler ton rappel. Tu dois absolument avoir un rappel béton avec ton chien. Et ça, peu importe son âge, fait qu'on commence du petit bébé qui arrive à la maison à travailler avec son nom, à rendre ça positif. Puis après ça, on développe ce rappel-là et même on se développe un rappel d'urgence, OK? J'ai deux rappels pour Oreo, un rappel quotidien dans la vie de tous les jours et un rappel d'urgence de « quand je t'appelle avec ce rappel-là, faut que tu revires de bord sur une scène. Faut que ce soit hyper rapide puis que tu te poses pas de questions, OK? » Cet hiver, je suis allée marcher en forêt avec lui et Oreo aime beaucoup courir après les volatiles, Chantal, je te rassure. Oreo aime beaucoup les oiseaux. Fait que bref, il est parti. Il s'est décidé qu'il partait, OK? Je l'ai laissé prendre du lousse, comme on dit. Il m'a regardé et je n'ai rien dit. J'aurais dû dire quelque chose à ce moment-là. Fait que bref, il s'est dit « Ah, elle me parle pas! Ben, je vais continuer, je vais courir après la corneille que je n'aime pas, la fameuse corneille. » Donc, il a décidé qu'il partait. Je l'ai perdu de vue. Et là, bon rappel d'urgence, dans le tapis, avec mon petit Oreo, il est revenu en courant. « Ah, tu m'as appelé! Yeah! » Fait qu'il est revenu. J'ai récompensé. Donc, rappel d'urgence à travailler plus, ou même ton rappel ordinaire. C'est la première commande que tu as besoin de travailler avec ton chien parce que même à la marche, là, okay, même si tu marches avec ton chien et qu'il se met en réaction, faut que tu aies un rappel pour lui dire que quand tu viens ici, quand tu viens ici, bref, peu importe, faut qu'il revienne sans hésitation. Okay? Fait que ça peut grandement t'aider, ce rappel-là. Okay? Pour le fun, en commentaire, sur une échelle de 1 à 10, quel est le niveau de ton rappel? 1 étant médiocre, ben, plus facile que ça, OK? 1 à 5. 1 étant médiocre, 5 étant excellent. 5, là, c'est vraiment ton top du top. Puis tu sais que là, avec un 5, il n'y a rien qui est à ton épreuve. Ton chien pourrait être dans n'importe quelle circonstance. Il va revenir. Fait que, il y a déjà quelqu'un qui m'écrit 8. Bref, OK. On va se dire que 8, c'est au-dessus de 5, quasiment. Fait que, Karine, 8, je considère que t'as
10, je considère que t'as un 3, mettons, OK? 1, 1, 1. Ouh là là, 3.5. 1, 2. 1, pas commencé encore, mais je m'y mets. Good, Marie-Ève. 1.75. J'aime ton 0.75, Natacha. C'est juste pour être comme... Hey, je suis plus... j'ai changé, Karine. J'ai mis ça sur 5. Fait que... oui, c'est ça. Fait que 1.75, c'est juste pour être comme... Je suis positive, Annick, là, tu sais, on lui donne 1.75. C'est correct, ça, c'est correct. 3 sur 5, parfait. 2.5 à 2, 2, 2, 4, good. S'il plaît à l'ultrason, je lui donne 5, 2, excellent. Fait que, ouf, 1 pour Cléo. Ih, 0, my God. On est en dessous du 1, là. Seigneur. Oh, 3, 4, c'est beau, ça. 2. Ouh, hein? On a besoin de travailler fort, le rappel. Fait que j'ai bien fait de vous donner des conseils en plus des erreurs aujourd'hui. Ben les 8, max 3. Dash, on vient de descendre à 1 parce qu'il m'a... Oh, ben oui, mais là... Ouais, je comprends. Bon, fait que là, Bailey à 8, on considère que c'est un 3. Puis max à 3, on considère-tu que c'est un 1? Je vous ai rapetissé l'échelle un peu. Je vous ai mis ça sur 5. Fait que bref, le rappel. Comment je fais, Annick, pour travailler le rappel? Ben, j'ai une excellente émission sur le sujet, sur ma chaîne YouTube. Et ça va défiler tantôt, là, en bas. Ben, garde, voilà, pense à t'abonner à notre chaîne YouTube. Ça s'en vient, ça défile en bas, là. Fait que sur notre chaîne YouTube, je pense que j'en ai fait plus qu'un, une émission sur le rappel pour te donner plusieurs trucs pour pratiquer ton rappel. Fait que, numéro 1, le rappel. Une socialisation adéquate. Bon, une socialisation adéquate, on entend souvent dire « Hey, il faut que tu socialises ton chien avant 4 mois parce qu'après ça, il va être trop tard, puis là, il faut que tu le sortes partout, puis il faut que tu l'amènes partout, puis il faut qu'il voit des enfants, il faut qu'il joue avec d'autres chiens, il faut qu'il rentre en contact avec, la clinique vétérinaire, le salon de toilette. » Bref, nommons-les. Il y en a tellement beaucoup. C'est intense. Alors, une socialisation adéquate, non, ce n'est pas apporter ton chien partout, parce que si ton chien est inconfortable et que tu le laisses dans cet état-là, parce que dans ta tête, tu penses qu'il va socialiser, erreur, ton chien est terrorisé, il a peur, enregistrement d'expériences négatives. Négatives. Fait qu'il n'y a rien qui va t'aider dans le futur pour ça. Okay? Fait qu'une socialisation adéquate, c'est de cibler ce que tu as besoin de prendre en considération comme début de socialisation avec ton chien. Tu commences par ton environnement, puis une fois que ça va bien dans ton environnement, t'élargis un petit peu plus. Puis après ça, au fur et à mesure que tu es capable d'aller un petit peu plus loin, puis ton chien n'a pas peur, t'élargis encore. Fait que bref, tu y vas vraiment de façon très graduelle. Ton chien peut avoir peur, OK? Même si tu as l'impression qu'il va vers tout le monde, qu'il va vers tous les chiens, qu'il saute sur eux autres, qu'il est liche d'en face, qu'il est surexcité, qu'il n'est pas capable de se reposer, pas capable de se déposer, ton chien n'est pas bien. Il est trop énervé. Normalement, une socialisation adéquate, c'est que ton chien est capable de reproduire les mêmes comportements que tu vois à la maison. Il va être capable de les reproduire ailleurs. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tu n'es pas en train de socialiser ton chien. Mais pas du tout. Tu vas trop vite. OK? C'est là. Fait que j'espère que mon explication était bonne. Là, j'ai eu des questions. Pendant que je lis les questions et que je vais venir répondre à tes questions, je t'invite à partager cette émission parce que il y a beaucoup de personnes qui réussissent à nous connaître grâce à ton partage. C'est gratuit de ta part et ça nous aide énormément. Et je devrais même dire que ça aide énormément tes proches, tes amis, ta famille. Bref, ne sous-estime pas le pouvoir que tu as. Oui, ça, puis ça permet... Je recommence. Ça permet de faire connaître une nouvelle méthode d'éducation, une meilleure éducation pour les animaux de tes proches. Chantal, avec Jules qui dit « Comment être plus attractif que les volatiles? »
ça reste quand même un petit peu touché, Chantal, parce que tout dépendant comment tu vas travailler avec Jules, on pourra le revoir en rencontre, là, mais si t'es énormément en longe puis que ton chien a beaucoup de liberté au début puis que t'as de la misère avec le rappel, c'est difficile, en effet, d'être beaucoup plus intéressante que les volatiles parce que le chien a de la liberté, peut aller vers les oiseaux, même s'ils sont inatteignables pour lui. Il y a quand même l'activité de courir après ça, OK? Fait que ça va être hyper important de travailler ton rappel en tout premier lieu, première chose, OK? Comment faire pour apprendre à mon schnoodle à ne pas tirer lorsque il marche en laisse? Quelle excellente question, Marilyn. Rapidement. Tu te dois de commencer la marche à l'intérieur de la maison avec des friandises qui sont appétissantes et tu peux récompenser le fait que ton chien marche au pied ou te regarde dans les yeux, OK? Donc, tu peux commencer ce processus-là. Une fois que ça va bien, une fois que c'est super bien acquis, la neige va partir bientôt, donc tu pourras travailler la même chose à l'extérieur dans ta cour arrière avec ton chien en laisse. Puis une fois que ça va bien, ben là tu peux transposer ça, cet exercice-là, dans ton stationnement, sur le trottoir devant la maison. Et l'objectif, c'est toujours d'aller un petit peu plus loin au fur et à mesure que tu vas marcher. Ce que tu peux faire également, c'est que si ton chien tire énormément, tu peux faire un demi-tour, revenir sur tes pas, attendre que ton chien revienne au pied, récompenser les bons comportements. Mais bref, pour avoir beaucoup plus de conseils en détail, j'ai plusieurs émissions sur la marche en laisse, donc marche en laisse régulière et la marche en laisse avec le chien réactif également sur ma chaîne YouTube. Fait que je pense que tu pourras avoir beaucoup de trucs à ce niveau-là. Bon, Isabelle qui me demandait, est-ce qu'il y a un âge pour l'éducation? Chien de 11 ans, est-ce que c'est peine perdue? Si tout son état de santé général est bon, sa vision est bonne, son ouïe est bonne, il t'entend super bien, non, c'est pas peine perdue, mais ça va prendre beaucoup plus de patience et de répétition. Parce que c'est un comportement qui a probablement eu le temps de se répéter très longtemps de la part du beau Théo, fait que on a besoin de travailler beaucoup plus avec lui. Ok. Mon pit jappe, grogne et hurle presque quand il voit un autre chien. Malheureusement, à cause de sa race, la plupart des gens me regardent comme si j'avais un meurtrier. Oh! Au bout de la laisse, mais il n'a jamais mordu. Isabelle, est-ce que tu considères que peut-être qu'il vit de la frustration parce que justement, il voudrait entrer en contact avec les autres chiens? Fait que si c'est le cas, je te recommande premièrement de travailler à une distance qui pourrait peut-être t'aider. Dans cette distance-là, ça pourrait être à l'extérieur d'un parc à chiens, dans un parc où c'est plus facile d'avoir des espaces vastes pour t'aider à trouver la distance à laquelle ton chien est confortable. Et à partir de là, tu peux récompenser les bons comportements. Et t'avancer progressivement envers un chien. OK? Ça, c'est un conseil super facile, mais bref, si tu n'y arrives pas, tu me contactes, ça va me faire plaisir de t'accompagner en privé. Est-ce que j'avais d'autres questions? Ah, oh, Chantal qui dit « Il était en laisse. » OK. Seigneur, on n'a pas beaucoup de contrôle, c'est... Et volatile. C'est un peu dur à reproduire, les oiseaux, hein? Est-ce que c'est arrivé à certains moments, Chantal, qui revenait à toi, qui te regardait, même si c'était pas au moment où ce que tu lui parlais ou ce que tu demandais son attention, est-ce que tu arrivais à un certain moment donné à capter ton attention? Fait que si oui, ben à ce moment-là, tu aurais pu venir récompenser ce moment-là. Donc, un comportement... pouf, qui arrive comme ça, tu peux le renforcer, tu peux le récompenser pour augmenter les chances, les probabilités qui se répètent beaucoup plus souvent et qui voient que, bon, l'oiseau dans le ciel, je pourrais jamais l'atteindre, fait que mon humaine est beaucoup plus intéressante. Ça pourrait être une option, OK? Ça peut être un jouet aussi, ça peut être un ballon, une balle qui fait du bruit pour attirer son attention de nouveau. Puis une fois que tu l'as, ben, tu lui lances le jouet. Donc, ça lui crée aussi une satisfaction du fait que il n'a pas pu courir après les oiseaux parce que les oiseaux sont dans les airs, mais je peux courir après la balle ou je peux courir après le ballon. Satisfaction étant atteinte, on a plus de chances d'avoir un chien qui va être attentif dans des moments comme ça. Comment avoir la concentration d'un braque allemand? Son odorat est très développé et il a de lignées de chasse. En laisse ou en promenade, je n'existe pas. Seules les odeurs le guident. Excellente question, Sonia. Tu te dois énormément de travailler par étapes
augmenter son attention envers toi, te mettre en mouvement, utiliser une récompense qu'il n'y a jamais autre que quand tu vas pratiquer ton rappel, mais définitivement, il faut que tu commences par des environnements contrôlés, première chose, pour après ça, graduellement te rendre vers des zones où ce que ça pourrait être beaucoup plus distrayante. Ensuite, ce que tu pourrais même faire, c'est travailler un peu des jeux de recherche, mais de cherche à ta demande. Puis quand tu lui demandes de chercher, il va avoir quelque chose au bout. Ça peut être un jouet, ça peut être de la nourriture, ça peut être des croquettes, exemple. Mais bref, juste associer ton mot cherche à quelque chose qu'il va trouver. Fait que ça peut augmenter son attention envers toi de cette façon-là. Puis on utilise son nez parce que... Il a besoin d'utiliser son nez, c'est son travail au quotidien, fait que tu peux renforcer ça pour avoir une meilleure écoute, puis te mettre en mouvement va définitivement t'aider et utiliser une récompense ultime qu'il n'a jamais dans d'autres circonstances. Jamais. Good! OK, fait que ça, c'est bon, excellent. Alors, nous continuons avec les trucs... La désensibilisation, alors oui, on peut travailler en désensibilisation avec notre chien, particulièrement s'il va réagir à certains bruits, certains sons, la sonnette par exemple, quelqu'un qui cogne à l'arrivée, des aboiements de chien, des miaulements de chat, fait que bref, il y a la possibilité de travailler en désensibilisation en créant une association positive avec ces bruits-là. On commence toujours au plus bas volume et graduellement, on augmente le volume pour que le chien puisse être en mesure de ne plus avoir de réaction. Okay? Fait qu'on observe notre chien, il est confortable, on fait jouer le bruit sur un appareil comme notre téléphone, la télévision, une radio, etc. Et au fur et à mesure que le chien est confortable, on peut le récompenser ou graduellement, on augmente le bruit pour créer des associations positives. Là, tantôt, il y avait un commentaire par rapport à une machine à café. Donc, la machine à café, c'est un peu difficile à mettre en sourdine ou le plus beau volume, puis on augmente graduellement. Fait que dans des cas comme ça, on a besoin de travailler en contre-conditionnement. Donc, on a besoin d'apprendre au chien quoi faire à la place de réagir à la machine à café. Fait que, bref, Denise, on va voir ça ensemble lors des prochaines rencontres, mais tout ça pour dire que quand on n'a pas de contrôle sur le son, on va venir travailler d'une façon qui va être différente de la désensibilisation. OK? Voilà. Good! Hey, merci, gang, pour vos partages. Vous êtes extraordinaires. C'est vraiment très apprécié. Vraiment, vraiment très apprécié. Avant d'arriver dans les trois erreurs, je vais te mentionner à l'instant comment faire pour t'abonner à ma chaîne YouTube et je vais prendre le temps de m'hydrater parce que je parle beaucoup. Et par la même occasion, si toi, tu as des questions, après avoir partagé, écris-moi ça en commentaire. Fait que on y va à l'instant, je t'explique comment rejoindre ma chaîne YouTube. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de ton chien? Et dans cette capsule-ci, tu es encore à la recherche d'informations pour t'aider à gérer ce comportement ou ces comportements indésirables de ton chien. Eh bien, savais-tu que sur notre chaîne YouTube, on a plus de 50 heures d'informations gratuites que je te donne à travers nos multiples capsules? Donc, rendez-vous sur notre chaîne YouTube au www.youtube.com/Eureka, E-U-X-R-E-K-A, et tu vas avoir accès à toutes mes capsules que j'ai faites dernièrement. Je suis en train de lire les commentaires pour être sûre que j'en oubliais pas trop. Bref, j'avais des commentaires sur le chien qui mord, qui peut mordre des inconnus qui vont tendre la main, etc. Donc, ce qui est important de retenir dans des cas comme ceux-là, c'est qu'il faut absolument travailler en désensibilisation et on se doit absolument de respecter les zones de confort de notre chien. Je vais y revenir tantôt à ces zones-là,
Puis on va te l'expliquer vraiment en détail comment respecter ces zones-là pour éviter que les gens veulent tendre notre main vers notre chien puis que là, il y a un risque de morsure potentielle, OK? Fait que le chien a souvent une zone qui est capable de tolérer, fait que c'est important de travailler à partir de là, de mentionner aux gens de pas s'approcher, de pas tendre la main non plus parce que il y a des risques de morsure et ce qui est hyper important de retenir, c'est que la muselière est ton meilleur ami. OK, la muselière, je vais te la montrer. Bon, je me suis entraînée un matin, fait que là, je suis en... il appelle ça un leg day, je pense, en tout cas. Bref, j'ai les muscles fatigués aujourd'hui, fait que... C'est pour ça que je me suis penchée drôlement. Fait que raqué, c'est ça, raqué, Seigneur. Alors, muselière panier. Ça, c'est ton meilleur allié de tous les temps, définitivement. Parce que... Ma montre qui me parle maintenant. Parce que ça va protéger les humains, ça va protéger ton chien, parce que ce qu'on veut pas, c'est que les morsures se répètent trop souvent, OK? Par contre, la muselière va... En fait, non, je me reprends. La muselière doit être mise en prévention, mais ce n'est pas un outil... pour permettre à tout le monde d'approcher ton chien, OK? Même de toute façon, en ayant un chien avec une muselière, souvent les gens vont être beaucoup plus respectueux de la bulle des chiens, OK? Ça a un effet psychologique, fait que ton chien va vraiment être heureux de porter une muselière. Non, sans farce, là, mais ce que je veux dire, c'est que faut pas que tu mettes la muselière à ton chien puis que tout le monde peut venir le flatter puis que là, c'est open bar puis que là, ton chien se retrouve vraiment mal à l'aise. Là, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est juste... d'utiliser une sécurité. Pourquoi la muselière panier? Parce que toi, tu peux passer des gâteries puis nourrir ton chien. Faut que ton chien puisse ouvrir sa gueule également. Puis, tu travailles toujours à distance et tu travailles en désensibilisation pour porter la muselière. Okay? Ton chien doit porter la muselière comme s'il porterait un collier. Faut que ce soit aussi bien toléré que ça. Okay? Voilà, est-ce que j'avais autre chose? Oui, bon, MP Turc, j'imagine que c'est Marie-Pierre. En tout cas, MP Turc, je viens de relire ton commentaire qui me dit que ton chien est réactif à la fenêtre. Je tiens à te souligner que j'ai un excellent groupe, le chien réactif, anxieux, craintif. On va te mettre le lien en commentaire pour rejoindre mon groupe. J'ai des émissions que j'ai faites exclusivement aux membres de mon groupe. Donc, je t'invite fortement à répondre aux questions d'adhésion parce que si tu réponds pas aux questions, je ne te... permettrait pas d'entrer dans mon groupe. Donc, tu as des questions d'adhésion à répondre. Et par la suite, ben moi, je t'intègre à mon groupe. Et dans l'onglet multimédia, tu peux aller voir les autres émissions que j'ai faites qui sont exclusives à mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif. C'est ma spécialité. J'adore travailler avec ces chiens-là. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu créer une belle communauté. On approche les 2600 membres quand même. Donc, je veux pas que tu te sentes seule. Je veux que tu saches qu'on est là pour discuter, se soutenir, partager ce qui nous est arrivé, etc. La muselière panier, où tu vas te la procurer directement sur notre site internet dans l'onglet « Ressources ». Okay. Donc, cette muselière-là, je la recommande fréquemment. C'est elle qui a Réo porte aussi quand on en a besoin. Donc, dans l'onglet « Ressources » sur notre site Internet. Okay. Je pense que j'ai eu d'autres commentaires. Ah! Ben, déjà dans notre groupe. Bon, ben pour les personnes qui ne sont pas dans notre groupe, vous allez avoir le lien pour le rejoindre. Chantal, je t'oublie pas, Seigneur. On va en reparler dimanche à notre rencontre, OK? Je ne t'oublie pas. OK, fait que là, est-ce que je vais continuer encore un peu puis je reviens à vos questions dans pas tellement longtemps, OK? On repart. Les trois erreurs. C'est quoi donc les erreurs que je pourrais donc faire qu'il faut pas faire avec mon chien réactif? La punition, OK? La punition dans la tête de l'humain, là, c'est je vais dire non à mon chien. Je vais lui dire fais pas ça, touche pas. Je vais le repousser. Hey, à terre! Non! Bref, je vais utiliser mes mains pour repousser mon chien, pour tasser mon chien, pour faire des manipulations qui sont pas nécessairement toujours adéquates. Alors, le chien se dit hey, ces mains-là, là, sont pas le fun. Fait que la prochaine fois que cette main-là va m'approcher, ça se peut que moi aussi je sois pas le fun. OK?
OK? Ou ça se peut que les mains des gens, des autres que je connais pas, je les craigne puis que je fasse comme approche-moi pas parce que j'ai peur des mains en général parce que les mains sont pas fines. Fait que tu dois à tout prix éviter la punition. Ma première recommandation, c'est de laisser tomber ce que les autres vont penser. Les autres, ils vivent pas avec ton chien. Les autres ne connaissent pas ta vie. Les autres ne connaissent pas ta réalité. Je sais que c'est difficile. Je sais que ça peut être très dérangeant. Mais bref, tu fais ton possible. Je suis certaine que tu essayes plein de choses. Tu veux la meilleure des choses pour ton chien. La preuve, tu es encore là. Vous êtes encore 30 à m'écouter. C'est extraordinaire. Donc, laisse faire le jugement des autres et n'utilise pas la punition, même si tu as l'impression que ça fonctionne. Okay? Parce que la punition, quand elle fonctionne, ça fait peur ou bien ça fait mal. Okay? Sinon, la punition, elle ne fonctionne pas parce que le comportement se répète tout le temps. Fait que là, on n'est pas dans une punition qu'on souhaite, on est dans une punition qui est positive. Oui, il peut le faire avec quelqu'un d'autre. Il peut se permettre le comportement avec une autre personne parce que la personne qui punit puis que malheureusement ça a marché est pas là. OK? Donc, on évite absolument la punition. OK? Voilà. De longues séances d'entraînement. Les longues séances d'entraînement peuvent épuiser ton chien. Tu te dois de laisser un temps de pause à ton chien pour assimiler les exercices que tu viens de lui montrer pour qu'il soit capable de reproduire la bonne chose après. Okay? Ce qui est important, c'est pas... Non, je répète. Ce qui est important, c'est de terminer toujours sur une note positive. Si ton chien n'est pas capable de faire le comportement que tu lui as demandé et qu'il se met à faire n'importe quoi parce qu'il est fatigué, c'est hyper important de revenir à une étape super facile pour ton chien puis après tu prends une pause. Parce que si tu restes toujours dans les moments où ce que tu amènes ton chien à l'extrémité et qui produit le comportement que tu veux pas, ce comportement-là va avoir tendance à se reproduire tout le temps, de plus en plus rapidement et à une fréquence répétitive et rapide. Puis ça va empoisonner ton entraînement, tu n'en viendras pas à bout, tu vas être découragé, etc. Alors, de courtes séances d'entraînement est ton meilleur allié. Tu peux en faire 10 dans ta journée. Puis tu peux en faire 10 de 2 minutes. Parce que tu sais que dans ton 2 minutes, ton chien réussit tout le temps. OK? Fait que c'est préférable d'en faire 10 de 2 minutes puis d'avoir du succès que d'en faire une de 15 minutes puis... OK? C'est ça. C'est préférable de se brosser les dents après chaque repas pendant 2-3 minutes que 15 minutes le soir avant de te coucher. Hein? Voilà. J'ai un souffleur d'alerte dans mon oreille. C'est pas une alerte, là, mais bref, c'est des réponses. Fait que j'ajoute du contenu au fur et à mesure que je t'en dis. Alors, de courtes séances d'entraînement vont être définitivement ton meilleur allié. OK? Bon, je pense que je peux prendre une pause avant d'arriver dans le prochain, parce que là, le prochain, je te réserve une belle surprise que tu vas pouvoir prendre en note vraiment efficacement. Fait que j'y vais. J'y vais à l'instant. OK, ça j'ai fait. OK. Donc, ma conjointe et moi, on ne peut même pas se faire un câlin, une accolade, même bref, devant lui. Il est comme jaloux, jappe et fait comme s'il veut nous mordre pour nous séparer. Donc, Luc, je te propose d'apprendre un comportement incompatible à ton chien avec le fait de vous envahir quand ça se passe. Et c'est super simple, c'est d'apprendre à ton chien d'aller sur son coussin, son tapis, son lit, bref, tout dépendant si tu as déjà appris un mot ou pas à ton chien, et d'y rester. Pendant, tu sais, là, au début, là, on s'entend, ça va être vraiment des choses que vous allez provoquer comme exercice, OK? Pour qu'il apprenne à gérer au loin pendant que vous vous donnez de l'amour, parce que le chien, lui, il en a eu le reste de la journée. Bon.
Fait que, oui, ça va être un bel exercice, plein de bec, oh, cool. Fait que, je te propose de lui apprendre ce comportement-là et tu peux aller sur ma chaîne YouTube. J'ai fait deux émissions. Donc, trois émissions. Un sur le chien kangourou, un sur le chien qui saute ses comptoirs et l'autre, comment apprendre à ton chien à aller à sa place. Fait que dans ces trois-là, je suis persuadée que tu vas avoir d'excellents conseils pour apprendre à ton chien à aller à sa place pendant que vous vous collez. OK? Hop, on essaie aussi de regarder une émission de télé et dès que je m'assois, il n'arrête pas de geindre pour attirer notre attention. Difficile de regarder une série en streaming. Luc, est-ce que tu as déjà essayé de lui donner un os pendant ces moments-là? Un Kong congelé, une trachée de bœuf avec du stock à l'intérieur. Si oui, si tu as déjà essayé des trucs comme ça puis que ça fonctionne pas ou que ça fonctionne pas assez longtemps, eh bien, je te recommande fortement d'aller écouter mon émission sur les demandes d'attention chez le chien. Parce que oui, j'ai fait une émission aussi sur le sujet. Donc, tu peux aller regarder cette émission-là puis regarde-la pendant que ton chien va te demander de l'attention et mets en pratique tout de suite mes conseils. Je suis sûre que tu vas y arriver. OK? Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique j'aime et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Es-tu à la recherche de trucs pour bien gérer ou modifier certains comportements de... Oh! J'avais laissé cocher YouTube. Bon, j'y reviens avec le commentaire d'Isabelle qui dit « Quand on rencontre des gens, je demande de se présenter un par un devant Jack et de le flatter chacun son tour. » Isabelle, est-ce que Jack est confortable quand tu fais ça? Parce que sinon, l'objectif, ça serait que les gens arrêtent à une distance à laquelle il est confortable et toi, tu t'avances avec Jack d'un pas à la fois. T'observes ton chien, il est confortable, récompense, friandise, nourriture. T'avances d'un pas et dès qu'il est inconfortable, il n'y a pas de contact qui se produit. Parce que sinon, la façon un peu que tu mentionnes ça, il y a comme une immersion qui se produit puis il est obligé de tolérer parce qu'il est au bout d'une laisse. Fait que ça peut-être être risqué dans des cas comme ça. Emmanuel qui me demande, est-ce que mettre la muselière peut aider à diminuer l'aboiement lors de marche de manière temporaire? Non, parce que la muselière, ce qu'on veut, c'est que le chien soit capable de manger quand on va lui donner une récompense ici. Fait que l'objectif, c'est pas que la gueule soit toute comprimée. Il faut qu'il soit capable de respirer la gueule ouverte. Donc, il serait quand même capable d'aboyer. Okay? Donc non, ça ne réglera pas les aboiements. Pour t'aider à mieux comprendre les aboiements, tu peux aller regarder mon émission sur le sujet. Ça va t'aider à mieux comprendre les aboiements et comment intervenir face à ceux-ci. On a aussi une excellente formation, c'est vrai. Formation autonome, OK? Formation 100% en ligne que tu suis à ton rythme qui va t'aider à mieux comprendre ton chien. Son langage, ses signaux, ça veut dire quoi aboyer, ça veut dire quoi grogner, etc. Donc, cette formation-là est disponible dans notre onglet « Programmes et services ». Tu le défiles jusqu'en bas, puis tu as accès à cette formation-là. Mais on va aussi te mettre le lien en commentaire, OK? Fait que définitivement, ça va t'aider à mieux comprendre ton chien et ses aboiements. Très complète. On en parle dans cette formation-là. Parfait. Hey, j'ai pas d'autres questions. Good, 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 good. Alors, maintenant, on y va avec la distraction. OK? Quand tu travailles avec ton chien, c'est hyper important d'aller encore une fois graduellement avec la distraction. Fait que je veux pas que tu exposes ton chien tout d'un coup. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Là, il y a des choses qui sont hors de notre contrôle, là, mais on a un chien, exemple, qui est réactif au chien, puis tu décides que tu l'amènes au parc à chien, puis tu rentres dans le parc à chien, alors que lui, sa réactivité est créée par la peur, il est terrorisé, il aime vraiment pas ça. Fait que cette distraction-là est trop intense. Okay? Là, Victor va venir t'expliquer les zones de confort de ton chien, où tu dois travailler, où ton chien doit apprendre, où tu dois travailler pour qu'il comprenne, qu'il assimile les exercices et où tu ne dois pas te rendre dans tes exercices. Fait que ça va t'aider à mieux comprendre qu'est-ce que je veux dire par la distraction, OK? Et également la désensibilisation à ce niveau-là. Alors, on y va à l'instant.
Bonjour. Annick m'a demandé de vous montrer et vous enseigner les zones d'apprentissage, puisque c'est moi qui les ai créées. Alors, qui mieux pour vous les expliquer? Alors, voici la première zone d'apprentissage que j'ai décidé d'appeler la zone de confort. Pourquoi? Parce que c'est souvent à la maison. Puis à la maison, c'est très confortable, très sécuritaire. On est bien. Je l'ai fait de couleur verte parce que c'est comme les panneaux de signalisation. Quand c'est vert, on sait qu'on doit avancer. Puis c'est positif. C'est l'endroit où on peut contrôler notre environnement le plus. Alors, on peut décider de fermer la télévision, on peut décider de fermer les rideaux, on peut décider de changer de pièce, l'horaire, quand est-ce que je pratique avec mon animal. Alors ça, ici, la zone de confort, c'est l'endroit d'apprentissage idéal pour notre animal pour lui enseigner quelque chose de nouveau ou pour modifier un comportement qu'on désire. C'est ici aussi qu'on développe notre technique. Parce qu'il faut pratiquer, puis nous, pour qu'on soit fluide avec l'animal, puis plus qu'on est fluide avec l'animal, plus le chien il va apprendre rapidement. Il va acquérir de l'expérience avec cette pratique-là. Puis il faut voir ça là, comme du patinage artistique, quand quelqu'un fait des pirouettes, il prend une personne, il la lève dans les airs, puis là, il patine, là, ça a l'air fluide. Là. T'as regardé ça de l'extérieur, là, puis ça a l'air facile. Là. Puis quand tu te sens de même, là, peut-être pas au point olympique, là, parce que les autres, ils ont pratiqué pendant des années avant de se pouvoir là, se présenter aux Olympiques, mais quand on sent qu'on est fluide dans nos exercices, puis qu'on est prêt à travailler avec notre animal, on peut changer de zone, puis on s'en va dans la zone d'apprentissage avec la distraction. Elle est orange parce qu'il y a de la distraction. Puis, quand on travaille la distraction, ça prend de la distance. Alors, la distance vis-à-vis la distraction permet de déterminer la facilité qu'on va travailler avec notre animal. Alors, plus que la distraction, elle est loin, plus facile c'est pour travailler avec notre compagnon. Alors, c'est ici qu'on va exceller. Puis, à un point là, parce que faut voir ça ici comme j'étudie, je pratique, puis ici, je m'en vais passer l'examen. Je mets à l'épreuve ce que j'ai acquis. Est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est ça, si cette étape-là, elle est bien. Si ça ne fonctionne pas, on retourne dans notre zone de confort. On pratique encore un petit peu plus longtemps. Puis après ça, on s'en va ici mettre à l'épreuve nos acquis. On va exceller. On prend confiance. Le chien va avoir confiance en toi. Il va devenir habile. Tu vas développer de l'agilité avec lui. Puis ça va être des expériences positives. Dans une évolution positive aussi, parce que plus qu'on vit des moments positifs dans l'apprentissage, bien c'est là que ça nous permet de grandir puis d'acquérir des compétences qui vont être durables. Là, je dis ça parce qu'il ne faut jamais se rendre ici. Ça, c'est la zone de panique. La zone où que le chien est en immersion, où il développe du stress, de l'anxiété. Et je dis ça là, parce que c'est très néfaste. J'ai déjà travaillé dans le passé dans les assurances, puis nous avions des tables de mortalité, des chartes de mortalité. Puis selon le travail ou l'environnement que la personne travaillait, ça permettait de savoir l'espérance de vie de cette personne-là, qui permet de déterminer le prix qu'elle allait payer pour les assurances. Alors, plus que son travail était stressant ou son environnement était dans où ce qu'il a développé un certain stress, bien, c'était un point déterminant qui allait déterminer son prix qu'il allait payer à toutes les années. Mais le but, là, à tous les mois aussi, le but de dire ça, c'est que ces chartes-là permettaient de dire si la personne allait vivre jusqu'à 70 ou 80. Alors, on sait que les hommes peuvent vivre jusqu'à 79 ans, les femmes jusqu'à 85 ans. Bien, tout dépendant, le travail et l'environnement qu'il travaillait, bien, il ne vivait peut-être pas jusque-là. Alors, cette zone-là de panique, c'est à éviter par rapport à ça. Puis surtout avec les chiens, hein, c'est concentré, ils sont plus petits, alors tout est plus grand pour eux autres. Puis quand le chien est dans ces émotions-là, bien, il y a une perte de contrôle totale par rapport à ses émotions. Hein. Le stress, là, l'adrénaline, le cortisol, ça augmente. Puis ça se dissipe pas en quelques minutes. Ça prend un certain temps. Alors quand on arrive dans une zone de même, il faut la quitter rapidement. Oups, on s'en va de là. Puis on l'amène à une expérience positive le plus tôt possible. Mais si on persiste, bien, c'était très épuisant parce que le chien, là, il va tout se donner. Il va tout mettre ses émotions là, à vouloir quitter l'environnement ou à faire dire qu'il ne veut plus être là ou faire fuir ce qui le dérange ou ce qui lui fait peur. Puis ça finit par créer des problèmes de santé. Alors, à un point là, que ça prend. Certains chiens, ça peut prendre une seule expérience pour qu'ils puissent anticiper après ça ce moment-là. Puis tout dépendant, l'intensité
de cette expérience-là, ça peut prendre une semaine, deux semaines, un an avant de pouvoir retourner à cet endroit-là. Alors, les problèmes de comportement peuvent, après ça, apparaître. Parce que s'il commence à anticiper des affaires, il va avoir des comportements qui peuvent être désagréables, qui vont être créés face à ça. À force de persister là-dedans, ben, on abandonne. Les gens vont abandonner, puis ils vont se tourner vers des méthodes aversives. Ils vont aller chercher le push-push, le collier électrique, ils vont aller utiliser la force physique. Puis c'est pas des façons d'apprendre, c'est positif. Ce que je veux dire, c'est une zone d'apprentissage, mais négative. C'est pas bon. Puis ça, là, on sait que c'est pas bon, puis ça fonctionne, là, parce qu'on le sait très bien, dans l'ancienne Allemagne, là, dans les années 40, là, hein, la peur, là, ça fonctionne pour apprendre, hein, au point que même si t'écoutais pas, tu te ramassais dans une chambre à gaz, puis c'était fini, là, hein. Et puis, il y a un point que même le monde avait peur, ils se toulaient leurs voisins pour justement éviter le pire. Alors, le but, là, c'est d'éviter cette zone-là le plus possible. Puis de pratiquer dans cette zone-là à un point que la zone d'apprentissage s'agrandisse. Puis qu'on puisse pratiquer à des environnements différents, puis toujours aller de même positivement à des endroits différents, puis toujours à des distances qui sont acceptables, puis travaillables avec l'animal. À un point qu'il n'y a plus de zone de panique. Alors ça, pour se rendre là, bien, ça prend de la pratique. La pratique, puis de la patience, puis du temps. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas avec le temps. Alors, je te laisse avec Annick. Me revoilà. Donc, Victor, il a parlé de plein de choses. Hein? Fait qu'il a parlé des zones. Fait que dans ces zones-là, tu dois te dire, au niveau de la distraction, je suis à la bonne place, je suis dans le vert, je suis dans l'orange. My God, je suis dans le rouge au bout, là, fait que j'ai besoin de retourner puis d'offrir la distance, pas trop de distraction d'une shot, parce que mon chien est plus capable d'en prendre à ce moment-là, il m'écoute plus, je suis plus là, j'existe plus, ça veut dire que là, on est tombé dans sa zone rouge, OK? Et le danger d'être trop souvent dans la zone rouge, qu'on a peur de ce que les autres vont penser, là, on est sur le point, sur la limite d'utiliser la punition, comme je te disais tantôt. Fait que ça, la punition, c'est un gros X, t'sais. Donc, voilà. Fait que c'est ça, les dangers de se rendre dans cette zone rouge-là. Puis c'est là où ce qu'on veut pas aller. Fait que plus tu travailles dans ta verte, plus tu travailles dans dans ton orange, plus tu es en mesure que ton chien va être réceptif à tes apprentissages et qu'il va bien progresser. Pour te donner une idée un peu de la capacité d'apprentissage de ton chien, pendant 3 jours consécutifs, avant d'aller prendre ma marche, je faisais un exercice dans le véhicule avec Oreo pour qu'il soit plus à l'aise puis qu'il soit plus relax dans le véhicule. 3 jours. 3 jours. La 4e journée, quand je suis sortie dehors avec lui, il est allé directement devant l'auto puis il attendait que j'ouvre la porte. 3 jours, une fois par jour. C'est pas long, hein? Fait que si tu t'assures que ça va bien et que tu utilises les bonnes techniques, ton chien est en mesure de progresser et d'être capable d'obtenir les résultats que tu souhaites. Je suis là pour ça, d'ailleurs, bien entendu, pour t'accompagner à réussir ces exercices-là avec ton chien. Fait que bref, oui, ton chien a la capacité d'apprentissage en autant que tu utilises les bonnes techniques et que tu portes une attention particulière à ces zones d'apprentissage pour ne pas aller dans le rouge. Okay? Mon but, c'est de t'offrir du contenu pertinent pour t'aider à devenir un meilleur parent pour ton chien. Alors, prends quelques secondes pour m'écrire en commentaire pourquoi tu assistes à mon émission aujourd'hui. Clique « J'aime » et partage. Ça aide les gens à découvrir une meilleure éducation pour leurs animaux. Merci, merci, merci de ton partage. Donc, voilà pour la distraction. Amuse-toi avec ton chien. La règle d'or est du plaisir avec ton chien. Si tu n'as pas de plaisir à marcher présentement avec ton chien, trouve un endroit où ce que tu peux travailler avec ton chien et que ça va être plaisant, parce que dis-toi que quand toi, tu n'as pas de plaisir, lui, il n'a pas de plaisir. Lui ou elle, tout dépendant si c'est un mâle ou une femelle, OK? Fait que si ton chien n'a pas de plaisir puis que t'as pas de plaisir, c'est pas une activité le fun que vous avez à faire ensemble. Amusez-vous, trouvez ce qui fonctionne, travaillez à partir de là,
fais-toi accompagner par moi. Voilà, donc, pour que tu puisses être en mesure de bien progresser, OK? On est encore une trentaine de personnes, vous êtes vraiment extraordinaires, je te remercie énormément d'être avec moi. Quinzaine de partages, c'est cool, c'est vraiment cool. Alors, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la toute fin, eh bien, je te donne mon guide Tout sur le chien. C'est un nouveau guide qu'on a confectionné en 2023, spécifiquement pour le chien réactif, anxieux, craintif. Hein? Je l'ai dit, c'est ma spécialité. Donc, ce que je souhaitais, c'était vraiment t'offrir du contenu intéressant dans ce guide-là que je t'offre gratuitement. Okay? Donc, dans ce guide-là, je te parle de du temps d'adaptation d'un nouveau chien dans sa nouvelle famille. Ensuite de ça, je vais te parler des facteurs pour réussir l'éducation de ton chien. Quels sont les facteurs qui influencent le comportement de ton chien également? Comment la peur s'acquiert chez le chien? On visite plein de choses, okay? Plein d'aspects sur le chien anxieux, craintif et réactif. Et comment on peut apprendre et modifier un comportement chez un chien? Et comment on fait pour réduire la peur, le stress et l'anxiété d'un chien? Fait que tout ça, c'est dans le guide que je te donne gratuitement. Et comment faire pour avoir ce guide gratuit? Eh bien, direction mon site internet et tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran défiler vers le bas. Tu peux attendre quelques secondes si jamais elle n'arrive pas. T'inscris ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu cliques sur « Envoyer ». Et tu vas recevoir un courriel en retour pour t'offrir mon guide de tout sur le chien. Et si jamais tu ne le reçois pas dans ta boîte de réception, eh bien, simplement regarder dans ta boîte de courriel indésirable, OK? Après mon Facebook Live, souvent, j'ai beaucoup d'adhésions comme ça. Donc, laisse peut-être le temps au système d'assimiler ces demandes-là. Fait que tu peux peut-être laisser une minute ou deux si jamais tu ne le reçois pas immédiatement, OK? Donc, si tu as une idée que tu aimerais que je parle au cours de mes prochains Facebook Live, tu peux m'écrire tout ça en commentaire ou tu peux même me l'écrire en privé si tu préfères. Et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à 19h, pour discuter encore une fois du comportement de ton chien et t'aider à mieux le comprendre. Et si tu as besoin de mon aide en privé, eh bien, reste. Pendant quelques instants, je vais t'expliquer comment faire et tu pourras écouter le témoignage de mes clients. Alors nous, on se dit à la semaine prochaine, même jour, même heure. Bye! J'ai parcouru la route sur laquelle tu te retrouves aujourd'hui. J'ai déjà atteint ma destination et je suis là pour t'aider à raccourcir ta courbe d'apprentissage et ton chemin vers le succès. Je l'ai fait et j'en ai aidé d'autres à le faire. En voici la preuve. Petite Charlotte, qu'il était impossible de laisser toute seule à la maison parce qu'elle faisait de la grosse anxiété de séparation. Elle jappait, elle hurlait. Puis même quand quelqu'un restait avec elle à la maison, si un de ses maîtres partait, ben elle jappait pour pouvoir partir avec lui. En tout cas, c'était vraiment difficile. Puis j'avais fait une demande de recommandation. À qui se référer pour justement un problème de réactivité puis d'anxiété de séparation. Puis, c'est toi, en fait, qui était venu proposer tes services. Puis, j'avais fait des petites recherches sur toi, puis j'avais vraiment aimé ce que j'avais vu. Puis là, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube, puis j'avais trouvé ça vraiment bon, puis ça m'a charmée. Puis, je me suis dit, ah, c'est celle qu'il me faut. Mais on est capable maintenant de partir des 35 minutes et tout va bien, puis on voit que c'est sur la bonne voie. Puis quand, sincèrement, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment une bonne idée parce que j'avais jamais pensé, mais c'est vrai que ça change vraiment beaucoup le comportement d'un chien quand quelqu'un d'inhabituel est dans l'environnement. On va se le dire, là, ça permet aussi. Même si toi, je sais que tu es vraiment loin de Québec, ben, qu'on puisse quand même faire les rencontres. Ça a été vraiment une très belle expérience. J'ai vraiment aimé ça, travailler avec toi, Annick, parce que tu es super patiente, très dynamique. Puis le travail qu'on a fait ensemble, ça a vraiment changé notre vie, là. Ça l'a beaucoup aidé, puis on le recommande beaucoup. Tout s'est amélioré de A à Z. Puis finalement, après la première rencontre, là, tout de suite, j'ai fait, ben, ça a super bien été. J'ai aimé ça. C'est facile. T'as ton chien, tu nous montres comment faire ou avec des capsules. Fait que c'est vraiment le fun.
ça donne aussi la possibilité aux gens qui, je sais pas où ils sont, mais c'est de justement pouvoir avoir accès à des conseils avec une professionnelle. Donc, la part des techniques et conseils qui ont été donnés ont aidé beaucoup, justement, il est facile à comprendre, des bonnes étapes à suivre, très clair comme discussion, comme façon de donner les informations, donc j'ai absolument rien à dire, là, une belle structure. Déjà qu'on en cherchait un, comportementaliste canin, depuis un certain temps, il n'y en avait pas beaucoup disponible en soi. J'ai vu beaucoup de tes capsules aussi en ligne que je trouvais super intéressant. Je trouvais que c'était bien structuré, c'était bien monté. Donc, à un moment donné, ben, j'ai fait un petit appel à tous dans notre fameux groupe là, des bergers. Puis, tu m'as tendu la perche et j'ai vu la belle opportunité. Puis, je regrette absolument pas. Est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps, plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps? Alors, toi, là, vas-y rapidement, réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations. Un 20 minutes super bien investi, on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables. Donc, rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca, EUXREKA.ca / découverte, pas d'accent.